Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle série officiellement maintenant sur The Escapist 2. Nous prenons notre personnage Marcus, qui me ressemble étrangement. Nous recommençons la prison Center Perks 2.0, vous savez la prison que nous avions commencé dans la première fois que je jouais au jeu, c'est-à-dire sur le live. Et on va essayer de... d'écouter les conseils que vous m'avez donnés. Vous m'avez conseillé par exemple de faire très attention à quel stade je commence à améliorer entre guillemets, et surtout à faire attention à toute l'histoire. Par exemple dans cette salle, enfin dans cette prison, nous avons actuellement un système de commande, enfin une équipe de tournage, et donc je pense qu'il doit y avoir moyen de faire quelque chose avec ça. Il m'avait dit qu'il y avait des choses à faire quand j'avais pris une tenue. Par conséquent on va faire les choses bien, on va améliorer voilà notre force et notre vitesse, etc. Tout ce qui va avec, toute l'énergie, bref le gros bordel, notre intelligence. On va commencer par faire tout ça en faisant du live to win, tout en augmentant notre capacité à créer de l'argent entre guillemets dans la prison, c'est-à-dire en répondant aux problèmes de nos voisins de chambre tout bêtement. Donc je suis juste ici, donc je dois être bien chaud hein. Hop, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a dans notre bureau déjà? Ok, génial, rien d'intéressant, c'est cool. Ouvrez la porte. Merci. On va à l'appel. Je suis juste à côté de l'appel, ça c'est assez cool. Crac. On va regarder à peu près ce qu'on a comme type de vendeur, etc., etc., etc. Ça pourrait être intéressant. Le monde extérieur est cruel. Ah bon? Pas autant que moi. Merci de ne pas faire vos besoins dans le bassin. Oui, ça on va éviter, hein. De toute façon, le bassin n'est pas assez grand pour que je puisse y dérouler mon tuyau. Vous voyez, c'est eux l'équipe. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec eux. D'ailleurs, il y a eu une relation assez étrange entre deux personnages. Vous étiez littéralement emboîtés l'un dans l'autre. Ce qui, dit comme ça, peut être sympa. Lemming et billard, parfait. Bon, on va les manger un coup. Enfin, en tout cas, on va faire mine d'aller manger. Regardez, l'appel se termine, 8h, petit déjeuner, vous savez, avec la petite croix verte. Du coup, on peut aller commencer à se bouger le fion. Autrement dit, nous allons faire du sport. Et nous allons commencer par augmenter notre forme, la petite barre jaune, donc l'énergie. Hop. Qui, elle, en fait, nous permet d'être plus endurant et donc d'accomplir les autres actions permettant d'améliorer les stats de manière plus efficace. Voilà, je suis à bout. Vous voyez que j'ai monté 12 points, je crois, à peu près. On va aller prendre une douche. Crac. Je chante sous la douche. Ok. J'espère que cette série n'est pas maudite. J'entends par là le fait que... oui, donc on est à 42. Que je ne sois pas emmerdé IRL, comme lors du live. Le petit déjeuner est terminé, nous allons donc devoir aller... non, nous sommes en repos, je crois que c'était le travail. Il y a un repos à ce moment-là, j'avais oublié. On est bon. J'ai loupé celui-là. Ah, quel dommage. Parce que ça va... à des moments, en fait, quand vous appuyez, ça accélère et du coup, il faut vraiment que le bouton revienne rapidement, j'ai l'impression. C'est une question de bouton, vous savez, le clac, clac. Des fois, je reste appuyé sur le bouton un petit peu connement. Bon, on reprend un petit peu d'énergie. Nous sommes toujours en repos. Je crois qu'à partir de 11h, il y aura le travail. Je ne sais plus. Non, c'est de 10h. Il y a quelque chose à 10h, normalement. Peut-être le travail, hein. En tout cas, on verra bien. Crac. Vous voyez que les barres se réduisent petit à petit. Hop, épuisé, donc toujours repos, parfait. Il semblait bien que c'était à 11h qu'il se passait quelque chose normalement. Hop, on y va. On progresse. Bon, bah voilà. Sinon, la vie carcérale se passe plutôt bien en règle générale.
Une fois qu'on aura monté la forme, pardon, on montera l'intelligence. Que nous puissions répondre un peu plus simplement aux demandes de nos amis, je pense, ça pourrait être pratique. Donc la forme, on va la monter à 100. L'intelligence, on va la monter à 70. Maximum, hein, c'est le maximum où c'est intéressant. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop, je sais pas si je peux vous montrer. Oui, je peux vous montrer le menu de craft sans que ça dérange. Vous voyez, c'est 70+, donc il n'y a pas besoin d'aller plus haut. En tout cas, pour le moment. Et une fois qu'on aura monté tout ça, entre guillemets, dans le repos, parce qu'on est censé être dans la phase de repos, mais on travaille dur, je pense qu'on y servira uniquement des moments d'exercice pour améliorer notre forme physique, notre capacité à donner des coups de poing. Et ensuite, nous verrons si on a besoin d'aller plus loin, si on a besoin d'aller plus vite au niveau de cet entraînement. Eh ben dis donc, il accélère pas le machin. Toujours ça de près. Ok, on a 20 minutes pour faire le repos avant d'aller bouffer. Donc on va aller, regardez, on va aller faire ça. Hop, on va monter jusqu'à, je dirais, 50. Il nous reste 5 minutes. Allez, on y va, hop. Il nous reste 5 minutes, ce qui fait qu'on peut utiliser les 3 minutes restantes, là. Enfin, les quelques premières minutes de ça pour augmenter un petit peu. Vous allez comprendre où je veux en venir. Voilà, et là, on peut aller manger. Maintenant, quand on va aller manger, on va récupérer toute notre énergie. Ça devrait être assez simple, hein. Hop. Salut Parker, comment tu vas? Dis donc, t'as une drôle de tronche. T'as un masque, non, c'est ça? Hop, on fait la queue. Hop, allez. Comme toute personne qui se respecte, prendre le plateau. Et un œuf. Non, c'est un œuf. J'ai l'impression que c'est un œuf avec du bacon, mais ça m'étonne. Non, c'est une assiette, en fait. Tout simplement une assiette. Et donc, vous voyez que l'énergie remonte assez vite. Donc, c'est assez cool. Donc, c'est bon. Om, nom, 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 nom. Hop, on est bon. Il me reste donc 13 minutes. Justice est rendue. Et donc, on va aller normalement... On a encore une heure de repos, peut-être du travail, je ne sais plus, là. Je ne sais plus. C'est du travail, je traverse juste la pièce, travail. Donc, on va aller se rendre au travail, qui est juste à côté, là, en haut à droite. Et vous m'avez dit que tant que je reste ici, je crois que je gagne 10 pièces à la fin. À la fin de l'entretien. Donc voilà, je m'assois. Donc là, j'ai 0 normalement. Hein. Ouais, 0. Il va me causer et je gagne 10 pièces normalement. Les stylos, les meilleurs amis que vous puissiez avoir. Ah bah, je suis vexé. Je pensais que j'allais gagner de l'argent. Attends, peut-être que le monsieur là va me donner de l'argent. J'aimerais bien avoir ne serait-ce que 10 pièces, ce serait déjà pas mal. Non, je peux aller me faire foutre. Bah écoutez, je vais aller me faire foutre. Et je vais aller augmenter ma force physique. Vu que là, ça va être l'exercice de toute façon, donc je vais pouvoir finir ma forme. Nous sommes à 98. Et nous sommes à 100. Là, je peux m'arrêter là. On va aller prendre une douche. C'est pas grave. Bonjour. Il y a un gardien qui passe. Je dis bonjour, je suis poli. Puis je lèche un peu, parce que c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à avoir des choses dans d'autres prisons. Non, j'essaie de résister à ne pas vapoter pendant les vidéos. Déjà que pendant les lives, j'ai du mal à résister. Enfin bon. Prends ma main. Hop. Et donc là, on peut descendre. Même si le travail physique va devoir commencer juste après. On va profiter quand même. Comme ça on va juste faire un petit passage, vous savez, un aller-retour dans la pièce pour valider notre présence à la routine. Hop, là, voilà la routine qui va commencer maintenant apparemment. Vous voyez, donc l'exercice physique. Et nous on va y aller juste pour la présence. Et vous voyez qu'on augmente tout à fait bien notre intelligence avec l'amélioration de la forme. En tout cas, j'espère ne pas me tromper sur ce que vous m'avez dit. C'est bien ça, hein. C'est pas noté. Bon, tant pis. Donc là, vous voyez, je vais aller à la
salle d'exercice, la salle de sport, pour ensuite simplement passer directement. Crac, vous voyez que. Voilà, vite Marcus, parce que je n'y suis pas. Crac, et vous voyez donc ma. Comment qu'ils appellent ça? La méfiance a augmenté. Voilà, on est presque arrivé à la fin. J'ai pas eu le temps d'en faire un. Je voulais voir si je pouvais en faire ne serait-ce qu'un, mais j'avais pas ce qu'il fallait. Hop, et la direction de la douche. On profite de la douche normale. Et la méfiance est toujours à 5. Je suis dans la douche, hop, tranquillement. Et mon énergie remonte, pas de problème de ce côté-là. J'ai eu peur. Quand il se déplace vite comme ça, j'ai toujours un petit peu... de stress. Crac. Notre intelligence est donc remontée comme il faut. Enfin, notre énergie est remontée comme il faut. On va aller monter notre intelligence maintenant, plutôt. Ça va être plus simple. Alors, on m'a dit de faire attention à tout ce qu'il y a au niveau des différents, différentes pièces. Je sais pas si c'est logique. On m'a dit, par exemple, les peintres ont souvent des pinceaux, des trucs en bois dans leur bureau, etc., etc., en fonction de ce qu'il y a sur le bureau, en fait. Vous voyez, il y a le bureau là, il y a le meuble là. Et, en fonction de ce qu'il y a sur la table, entre guillemets, il y a plus de choses dans le bureau. Il y a différentes choses dans le bureau. Je sais pas si c'est le cas, on va aller vérifier ça de toute façon au fur et à mesure. Tu en as compris, je sais. Hop, on va aller finir notre barre d'intelligence, hein. Enfin notre barre d'énergie, pardon. Même si on le fait pas bien, parce que je sais de me renseigner au niveau des horaires, tout ça en même temps. Voilà, parfait. C'est pas grave. Et donc là, on va aller manger tranquillement, hein, pour remplir notre barre d'énergie. Tout bêtement. J'y vais. Calme-toi, j'y vais. Wow. Je peux pas courir plus vite. Mais calmez-vous. Hop. Je mange. Oh, c'est quoi? Non, c'est pas pareil. J'ai une tomate, on dirait des parts de pizza à la moitié, vous avez vu? Ou du pain? Du pain? Du pain et des tomates. C'est vrai que c'est pas la loi si c'est que ça. Hop, 83. Ça se bat à mort. 87. Merde, 96. Je croyais que j'étais bon. 87. Bon, le temps que j'y arrive, normalement, ça sera remonté. Parce que là, ensuite, normalement... ça... alors, c'est peut-être l'appel. Non, pas encore. Repos, parfait. 100, c'est remonté. On est bon. On devrait pouvoir monter jusqu'à à peu près niveau 60, là, je pense. Bellement. Mais peut-être même... on va pas pouvoir aller au bout, je pense. Non, il va nous rester un tout petit peu à faire et je sais comment on fera pour essayer de la choper. Putain, je perds du temps et de l'énergie. Merde. Ah, c'est dommage. Bon, parfait, on aura monté au moins jusque là. Et donc, je ne sais pas si au niveau des bancs ici, je... voilà, ça par contre je sais que ça peut me reposer. Et donc je gagne du temps sur le trajet à aller faire jusqu'à quelque part pour aller récupérer de l'énergie. Le trajet jusqu'ici n'est pas trop mal. Hop. Je suis donc tranquille, je me repose. Si je peux monter au-dessus de 70, sans énergie, sans forme, pardon. Et au-dessus de 70... intelligence dès le premier jour, ce serait cool. Ce serait même carrément cool. Bonjour, gardien Eccles. Hop, et on est bon. Crac. On a 73, donc c'est bon. J'ai pas fait gaffe dans ma stupidité. Hop, et on va commencer à aller fouiller un petit peu les différents trucs. Ça, je prends. Merci. Y'a pas de gardien dans le coin, donc on continue. Ça, je prends. Ça aussi, je prends là-dedans, je pense. Table de talc, vieille boîte. Peut-être dû prendre le livre. Ouais, c'est marrant, c'était ma piole à un moment. Ah, et Nink s'est fait taser juste à côté par contre. Prendre le bout de bois, j'en ai pas. Cible abattue, parfait.
Ok, bon, ça commence plutôt bien. À l'appel, on va récupérer, je pense, nos premières... what? Qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Casse-toi! Chez moi. Alors je suis désolé, là c'était pas prévu. Le coup de il y a quelqu'un chez moi, je l'avais pas vu venir. Alors ok, qu'est-ce qu'on a à faire? Si je peux récupérer une poignée d'outils. Waouh. Parce qu'après je peux créer un outil. Ok. Partir là-dessus. On a plus qu'une demi-heure, ça va être l'appel. Allez, je pars quand même. J'aimerais. Ah, il y a du monde. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il aurait fallu que je puisse fouiller. Je vais pas pouvoir fouiller, il y a trop de monde. Tant pis. Parker, t'as pas des choses à vendre? Ça, ça pourrait être intéressant plus tard. C'est une bonne arme, je pense. En tout cas, j'imagine que un coup de marteau dans ta gueule, ça fait du mal. Excusez-moi si c'est un peu vulgaire, je. Alors, je sais pas si m'asseoir. Je ne sais pas si m'asseoir serait vraiment, pardon, utile. En termes de récupération d'énergie, il faudra que j'aille vérifier ça aussi. Ok, alors au niveau des quêtes, H. On y va. Ça, ça permettra de donner une arme. Non. On va faire ça. Oui, c'est juste. Ah, et par contre, il va me demander un truc qui est dans ma. Qui est déjà. Que j'ai déjà. Ah non, apparemment, c'est pas. Ah, si, apparemment, j'ai déjà une pile. Ah bon. Ou une paire de chaussettes, peut-être. Hop, un câlin. Alors, les oreilles de mesure sont. Vas-y, 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 fais péter, fais péter, fais péter, fais péter, fais péter. Merci, on est chat, c'est parfait. On se bat. Ah, j'avais déjà une pile, j'avais pas fait gaffe. Hop, on va aller chercher une chaussette. Merde, c'est déjà le retour en cellule, j'avais oublié. Autant pour moi. Hop, on va dormir. C'est pas grave. On a déjà bien avancé pour la première journée. En tout cas, je suis assez content. Hop. Voilà, parfait. L'appel, on y va. Salut les filles. On va attendre qu'il annonce les noms. Ouais, ça va, merci de demander. Je pense que c'est pas fait gentiment. Mais peux-tu lui boucher les toilettes? J'ai pas réussi la première fois. Faudrait que je me renseigne sur comment on fait pour boucher les toilettes. Je pique son job d'éboueur. Je vaux mieux que ça. Je vaux mieux qu'un éboueur. Merde, je suis un baron du crime. Ça, ça peut être intéressant plus tard aussi. Trouver un nunchaku. Putain, le pire c'est qu'il y en a un dans la zone quoi. J'irai chercher la chaussette d'abord. Midi et Emerson, parfait. On va aller dans la salle à bouffer, voilà. Crac, on fait mine, on joue le jeu un petit peu quand même, merde. Hop, voilà, j'ai mangé un bout. Salut les vieux. Puisqu'apparemment, il y a juste ici une chaussette. J-Bomb, merci à toi pour la chaussette. Crac. Ensuite, donc je dois pouvoir le craft maintenant. Bon. Super chaussette. Ok, cool. Maintenant, faudra que j'aille taper quelqu'un. On va attendre que le monsieur sorte. Ça doit être lui, je pense. Peut-être lui. H. Jody. Ah, ça doit être ça. Il y a la flèche dessus, mais c'est lui. Ok, cool. Cool, 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 cool. Merde, ils sont... J'irai le taper plus tard. J'irai le taper plus tard, pourquoi? Parce qu'on a vu les caméramans. Et j'aimerais fouiller... Ah, fais chier, j'ai pas pensé. Merde, il y a quelqu'un ici.
Ça va pas être pour fouiller, ça va être pour rentrer dedans, ouais. Ok, ici, quand je fouille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dedans? Waouh, génial! Tenue de civil et truc radio, parfait, c'est deux choses qu'il me fallait. Je suis extrêmement content de les avoir. Alors, on va aller voir notre ami. Notre ami qui est trop bas. Qui, j'espère, ne va pas passer par la... En fait, par la... Vous savez, par les escaliers en bas. Ça veut dire qu'on aura fait un... Voilà, il est passé par l'escalier tout en bas. C'est pas grave. Hop, il est juste là. H. Voilà, merci pour ton aide. En termes d'objectifs, qu'est-ce qu'il nous reste? Histoire de se faire un petit peu d'argent. Localisation, ok, cool. On y va. Oula! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Wouhou! C'est pas du tout ce que je voulais faire parce que je sais pas comment la mécanique fonctionne. Alors, apparemment, le mec est dehors. Map. Le mec serait dehors. Ok. Enfin, le pinceau de loisir serait dehors. Bon, bah, pas intéressant pour nous, alors. L'appel aux armes. Trouver un nunchaku. Ah oui. Trouver un nunchaku. Je suis curieux. Il n'empêche que je suis curieux. Voyons voir. J'espère que ce sera suffisant. Si ça allait pas, tant pis. Hop. Ok. Crafter. Pour l'instant, c'est tout ce qui me semble... Qu'est-ce qui me manque ici? Ah, du scotch. Merde. J'ai pas de ruban adhésif. Bonjour, madame. Comment vous allez? J'ai failli... Allez, fouiller la pièce d'à côté. On va y aller. Ah, la vache. Bon, au moins, je sais qu'il n'y en avait pas. Ici, il y en a peut-être. Oui. Excellent. Bonjour. Bonjour, directeur. Appelez-moi le directeur. Bon, c'est bon, on est bon. Ça, je craft, merci. Voilà. Et donc, je ressemble à une personne tout à fait normale. Je ressemble à une personne tout à fait normale. On va suivre le directeur. Seriously? Combien de séquences on doit encore filmer? Ils ne sont pas très dynamiques. C'était juste ça qu'il fallait faire? Putain, si j'avais su ça, j'aurais fait tellement plus vite dans le live. Putain, le pire c'est que j'ai demandé aux gens s'il y avait quelque chose d'autre à faire. Rang B. Bah, je m'en fous, je l'ai fait. Je m'en fous. Putain, il y avait que ça à faire. Donc à mon avis, chacune des prisons doit avoir une espèce d'astuce comme ça, entre guillemets, particulière. Et donc du coup, ok, rencontre avec l'équipe. Je pensais que j'allais avoir un bonus ou n'importe quoi, non? Je peux la refaire avec... Warder. W, harder. Order. Si tu le dis. Ok, j'ai pas de bonus ni rien. Capo Camp, Fortundra. Oh la vache, le nombre de... USS Anomaly. C'est bon ça. Titre, bisu, ok. Je viens de le voir en fait, donc ça me... Évasion du périmètre. Dernière levée. Ça veut dire qu'en fait, il faut que je trouve un moyen... Faut que je trouve les trois, d'accord, ça on est d'accord, faut que j'ai les trois pour tomber le truc. Ok, bah je m'attendais pas à faire une prison en 20 minutes. Et du coup, je l'ai débloqué ou... Ouh la vache. Intéressant. Ok. Y'a toujours pas la queue de cheval rouge. Ça me vexe bien, dis donc. Regardez, y'a même des cheveux verts là comme ça, mais j'ai pas la queue de cheval rouge, moi. Bon, c'est pas grave. On a pas d'autres trucs. Mis à part les masques et les machins. Non, rien du tout. Ok. Bon, laquelle on fera dans le prochain épisode? Cougar Creek Railroad. C'est sur une... Évadez-vous seul à votre joueur. Tous les vautours qui volent au-dessus de ce... Au-dessus, savez ce qui se trouve au bout de cette ligne.
C'est de voir un autre lever de soleil, tu feras mettre te tirer à tout prix. D'accord, c'est sous... Il y a une certaine durée, c'est ça, non? Je ne sais pas. Ok, en tout cas, j'irai... Ou alors, je referai celle-là. Bah tiens, dites-le moi dans les coms ce que vous voulez. Je refais celle-là dans une... J'essaie de refaire celle-là dans une évasion plus classique, ou je passe à une autre. Puis moi, je ferai en sorte de revoir tout ça. Voilà. A plus, les gens!